Shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade et anti-sorcier. À cette date du mercredi 13 avril 2016, je vous parle depuis Lyon. Voilà, je reviens de la Suisse, je suis rentré à Lyon juste, n'est-ce pas, pour me reposer. Parce que cette semaine, le vendredi, je pars sur Madrid. Madrid, en fait, de pouvoir aider les bien-aimés de la diaspora, n'est-ce pas, en matière de délivrance, d'évangélisation, bien sûr, de délivrance. Ben, je confirme que mon arrivée en Italie, c'est tellement suisse à partir du 21 jusqu'au 24 avril. Du 21 au 24 avril, je demande à toute personne, à tous ceux d'Italie, de vous mettre aux côtés de Dibi Ferna. Mettez-vous aux côtés de Dibi Ferna, mon fils, en fait de pouvoir, n'est-ce pas, venir. Parce que j'ai un message très fort pour vous. Le Seigneur m'envoie, n'est-ce pas, sur ce continent. Pour pouvoir vous aider en matière de délivrance. Vous êtes malade, vous avez toutes sortes de soucis, des papiers, tout ça, ne ratez pas vous l'événement de taille en Italie. Mais c'est du 21 au 24. Du 21 au 24 avril, là. Là, ça dit la semaine prochaine. La semaine prochaine, je serai en Italie. Rentrez sur mon site, www.prophetejoelcrasso.org, ou partez sur ma page Facebook, Prophète Joël Crasso, ma page Facebook. Vous appelez carrément plus 225 47 07 23 27 47 plus 225 47 07 23 28 à Divo, à l'état-major, pour vous donner, n'est-ce pas, les adresses, l'adresse d'Italie. Si je confirme mon arrivée, ça sera du 21 au 24. C'est tellement sûr, c'est déjà bien organisé, il y a déjà la salle, mon Dieu, monte la salle, tout est fin prêt pour que j'arrive. Merci, bravo à ceux d'Italie. Je confirme aussi mon arrivée au Danemark. Je demande au bien-aimé Dosso de ne pas se soucier. Je suis confirmé. Après l'Italie, je vais toucher Danemark. Après Danemark, je reviendrai sur Belgique. Après la Belgique, parce que je suis conduit par l'esprit. Je reviendrai sur la Belgique, après ça l'Allemagne. Voilà, donc après ça, j'aurai le programme sur Paris. Paris, ça partit du 4, 5, 6 mai. Vous voyez que je pars. J'ai fait la Suisse, je suis revenu, je pars en Espagne. Je pars en Italie, je serai en Italie, et après l'Italie, je serai au Danemark, l'Allemagne, Belgique. Le temps de vous permettre de vous organiser. Parce que j'avais un problème d'organisation de Paris. Les salles sont excessivement chères, très chères, c'est 1 500 €. Donc j'ai un comité d'organisation sur place qui, n'est-ce pas, est là pour recueillir les dons. Parce que là, il faut que vous aidiez le comité d'organisation pour que nous puissions nous prendre des salles trois jours. Ça fait 1 500 € par trois, vous comprenez? Pour que nous puissions, n'est-ce pas, prier pour vous en salle. J'ai une évangélisation après sa délivrance. Et nous aurons l'occasion de vous recevoir en aparté. Il faut aussi une salle pour, n'est-ce pas, vous prendre en aparté pour pouvoir vous écouter et vous délivrer. C'est à partir du 9 jusqu'au 20 mai, il y aura des séances de délivrance en aparté. Voilà, les entretiens, tout ça. J'ai bien envie de vous aider, donc rentrez en contact avec le comité d'organisation. Vous dites Paris, tiens, mais c'est à partir du 4, 5, 6 mai. Nous allons commencer un programme sur Paris, d'abord en salle, et après la salle, nous aurons l'occasion de vous recevoir en aparté, individuellement, vous recevoir tout ça. J'ai sûrement dit, allez sur le site du prophète Joël Crasso, que je suis, prophète Joël Crasso, 3fw.prophètejoelcrassoministry.org pour vous inscrire. Vous avez les numéros depuis Divo. De Divo, maintenant vous appelez sur Paris pour vous dire aux gens que vous avez déjà un numéro. Et en fonction de ça, ils vont, n'est-ce pas, cocher dans les calepins. Pourquoi? Parce que c'est Blesson qui s'occupe de ça. Voilà, c'est Blesson du Kuzuka. Mais d'abord, vous partez d'abord, vous inscrivez au niveau des Divo. Ça partit des Divo. Et vous revenez ici, Paris, pour vous inscrire. Voilà, donc c'est pour dire, j'attends que vous répondez à l'appel de l'organisation au niveau de Paris. Ce samedi, là, il y aura une organisation dans le 13e, une réunion d'organisation. Bah là, je pense que le comité d'organisation a commencé à donner des SMS pour que vous puissiez, n'est-ce pas, vous asseoir et réfléchir si par rapport aux cotisations que vous devez donner pour obtenir la salle. Voilà, donc tout est fin prêt. Voilà, je quitte maintenant Lyon pour entrer à Paris et je m'apprête pour aller à Madrid. Tout est fin prêt pour arriver à Madrid. Je vous aime, je vous porte vraiment dans mon cœur. Je pense que c'est vous, c'est avec nous les Africains que l'Afrique sera développée. N'ayez pas peur de ce continent, c'est notre continent, c'est nos terres, la terre de nos aïeux, la terre de nos aïeux. Ne fuyons pas cette terre. Je pense que le Seigneur fera encore de grandes choses dans vos vies pour vous délivrer. Vous vous délivrez de l'esclavage satanique spirituel pour qu'il puisse, n'est-ce pas, venir investir tranquillement et vous éloigner des délinquants
et des criminels spirituels. J'ai dit, tu peux ne pas aimer Crasso, mais la sorcellerie tue. Je suis dans ce domaine-là, j'ai vu combien de fois les sorciers sont très rapides et dangereux. La sorcellerie est dangereuse et sur cela, moi, c'est ma part de contribution pour délivrer. Je suis en train d'aider. Dieu passe par mon cadavre pour aider l'Afrique à se débarrasser de ses pouvoirs sataniques. Tu peux ne pas aimer mon visage, mais toi, quelle est ta part? Quelle est ta contribution pour la délivrance de l'Afrique? Parce que tout commence d'abord par le spirituel. Sans le spirituel, le physique n'a pas son sens. Tu peux ne pas aimer le prophète Crasso, tu peux ne pas aimer mon nom. Mais l'Afrique a un problème sérieux. Nous avons un sous-sol très riche. Nous avons tout. Toutes les matières, nous avons tout. Mais nos matières sont transformées ici en Europe. Comment vous comprenez ça? Aujourd'hui, nous avons des ingénieurs, des masters, des gens qui ont des masters, qui ont des doctorats, qui ont tout. Mais qui ne peut pas rentrer au pays. Qui ne peut pas rentrer au pays. Ça me fait chaud au cœur, qui ne peut pas. Or, ces personnes, s'ils rentrent au pays aujourd'hui, le pays va se développer. Et c'est ce combat-là que nous menons pour délivrer ces personnes-là. Pour délivrer ces personnes, en fait, qu'ils puissent rentrer au pays, s'investir, pour que désormais nos matières premières soient transformées sur le continent africain. L'Afrique est notre continent et c'est le continent d'avenir. Je crois à l'Afrique. Je crois à l'Afrique. C'est pour ça que je suis sur ce continent européen pour vous aider. J'ai aidé tout le monde. Ce n'est pas une question de religion. Je suis venu aider tout le monde. Shalom, que Dieu vous bénisse.